Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour un jeu qu'on m'a demandé de faire. Je l'avais depuis longtemps sur ce PC, j'attendais l'occasion de peut-être le sortir un jour, et finalement, quelqu'un a dit « Devil, regarde ce jeu, il est fait pour toi, fais-le !» Ovrodeller. Overlord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Overlord. C'est un manga et un roman et un animé maintenant. Non, je déconne. Ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, pas entièrement. Comme vous voyez, j'ai déjà fait une partie. J'ai pas fini le jeu. Emplacement de sauvegarde autour. Voilà, on va utiliser celle-là. Celui-là. Frottez ses yeux à la cible. Ça devrait le rafraîchir. Maître, le mal vous sied à ravir. En avant, d'innombrables villes travaux nous attendent. Je peux déjà sentir la terre trembler d'effroi. Et donc nous voici. Nous sommes ce qu'on appelle Overlord, une entité, donc un cadavre ramené à la vie. Maître des larpins et dévoué serviteur de l'obscurité. La confusion passera et vos muscles ne tarderont pas à retrouver toute leur agilité. Cette grotte est le puits de création, maître. C'est là que naissent et vivent vos nouveaux larpins. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez en profiter pour appeler des larpins de cette fosse. Très bien. Larpin. Oh, regardez ces jolis petits êtres maléfiques. Ils sont prêts à exécuter tous vos ordres de pillage. C'est comme des monsieur mystiques, si on les laisse en vie trop longtemps, ils finissent par se sentir libres, et il faut les tuer. Dans les moindres détails. Mais si vous souhaitez passer directement à l'action, je vous rejoindrai dans la salle du trône plus haut. Vos larbins vous suivront absolument partout où vous irez, maître, à moins que vous leur donniez un ordre. Bon. Ça m'énerve parce que déjà, je n'ai pas le contrôle entièrement. Ah voilà, c'est... Donc vous voyez ici, ce sont des puits d'invocation de larbin. Et donc chacun de ces trucs est un endroit d'où viennent des larbins. Et donc ça vous donne une idée de ce que je vais pouvoir invoquer. Voilà, ça c'est pour leur dire tue. Mais y a rien à tuer du coup, bah on va monter à la salle du trône. Ah non, ici certainement. Ce n'est pas seulement lancer quelques boules de feu et semer le chaos un peu partout. Il faut du talent pour être maléfique. Et peut-être aussi un peu de désordre. À mon avis, le sommeil peut engourdir les ménages. Notre bouffon, seigneur. Désolé, il y a longtemps que j'aurais dû le clouer au mur. Apprenez-lui à respecter l'Overlord. Arrêtez de me chatouiller. Bien, voilà. Frappez-le encore. Ne vous retenez pas. Non, je constate que vous n'avez rien perdu. Le mal est une chose que l'on ne peut pas oublier. Donc là, évidemment, c'est tuto, donc je parle pas beaucoup parce que voilà. C'est ça. Vous l'avez eu. Non, Chochon, vous êtes aussi vif qu'un blaireau mort. Dommage que vous ne sentiez pas aussi bon.
Il est hors de votre portée, seigneur. Utilisez vos larbins pour lui clore le bec. Attaquez mes larbins. Le mal en point. Oh, ça réchauffe mon petit cœur noir de les voir courir dans tous les sens, à essayer de se dévorer les uns les autres. Oh. Rappelez vite vos larbins, seigneur. La totalité. Monsieur l'Overlord, montrez-moi le mal. Si vos larbins doivent suivre un itinéraire compliqué, vous devez les envoyer en les guidant. Allez, mes larbins. Quoi ? S'il a dit ? Ne le laissez pas s'échapper, seigneur. Envoyez vos larbins le poursuivre. Il finira bien par céder. Allez, mais pourquoi vous êtes revenus, bande de cons ? Mais on savait pas où aller. Je crois que vous êtes prêts, maître. Accompagnez-moi jusqu'à la salle du trône. Le mal ne va pas se faire tout seul. Ben, écoute, depuis l'avènement de Trump... Si vous voulez, libérez-le pour le frapper. Laissez-moi, seigneur! Je dois me soigner! Tiens! Apprendre à me respecter, moi. Oh, si on va te tuer, allez, viens. Vous êtes maléfique. Très, 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 très maléfique. J'ai bien compris, seigneur. Vous devriez avoir mieux à faire que de me frapper toute la journée. Oh non, on va faire une vidéo d'une heure, rien que sur toi. Alors évidemment, ça ne consiste pas juste à frapper des larbins, ce jeu. Il va falloir frapper dans la bouche d'autres gens. Votre salle du trône, seigneur. C'est moche. C'est malheureux, mais on ne peut pas incarner le mal de nos jours sans que de maudits héros veuillent sans arrêt venir faire leur preuve. Les derniers étaient particulièrement pénibles. Ils ont même tué votre prédécesseur. Peu importe, vous êtes là à présent, seigneur. Le mal trouve toujours sa voie. Ils ont aussi pillé et détruit presque toute la tour. Mais ce n'est qu'un léger contretemps pour les puissantes forces du mal, seigneur. Je vois vous ça. Vous êtes notre nouvel Overlord. Réparez votre tour, punissez ces soi-disant héros et rétablissez votre domaine maléfique. Voici le portail de la tour, seigneur. Malheureusement, il lui manque sa source d'énergie, l'orbe de tour. Toutefois, où elle est ? Il contient encore un soupçon d'énergie. Juste assez pour vous transporter jusqu'au dernier emplacement connu de l'orbe. Très bien. J'ai ma hache. Passez. Bon, et putain, tu pourrais pas parler plus vite ? Voilà. Ah, quel temps atroce. Vous êtes passé par la porte, seigneur. Cette nature sauvage, c'est tellement champêtre et idyllique. Vraiment hideux, non? N'y allez pas trop, seigneur. Ne t'inquiète pas, j'ai mis un peu de bouse de vache. Enfin, j'ai mis un peu de bouse de gobelin dans mon casque. Elle représente dans ce qu'il y a un lien ésotérique entre votre tour et cette terre. Pour le moment, vous ne pouvez invoquer que des bras. Pour que d'autres tribus vous servent, vous devez d'abord les découvrir. Nous pourrons peut-être retrouver nos objets de tour dans cette abomination verdâtre. Ces créatures laineuses sont à peine conscientes, mais vous pouvez en obtenir de la vitalité. N'oubliez pas que vitalité égale larbin,
retournez à la porte et appelez-en d'autres. Ouais, bah écoute, d'abord... me faut buter plus de ces créatures. Jésus, bon, j'ignore le nom. C'est très utile. Les larbins adorent tout ce qu'ils peuvent briser. Attendez, vous m'avez pas rapporté l'or, bande de cons. Bien sûr. Voilà, maintenant mes larbins sont armés. Et dangereux. Stupide créature inutile. Il vous faut d'autres larbins pour déplacer ce pilier. Le passage est bloqué, mais la quantité fait notre force. Utilisez tout vos... Oh ! Des alphelins ont pris ma ferme. Ils m'ont même attaché pour que j'effraie les oiseaux. Et maintenant, ces citrouilles sont en train de comploter contre Bob. Elles veulent se venger de toutes les tartes et des soupes, des confitures et des glaces que j'ai faites. Je les entends murmurer la nuit. Mais je ne laisserai pas ma ferme aux alphelins. Oh non, ils sont pires que les citrouilles. Pitié, donnez un coup de main pour récupérer la ferme de Bob. En avant ! Détruisez toutes les citrouilles, mes larbins. Les citrouilles crient, elles ont peur. Détruisez-les toutes. J'ai pas compris pourquoi un de mes alphelins est monté là-haut. Mais si mon larbin dit que ces fleurs sont maléfiques, alors les fleurs sont maléfiques. Vos créatures n'ont rien à voir avec les citrouilles. Même les oiseaux se moquent de moi. Ils se sont ligués avec les citrouilles. Éloignez ces salpettes de moi. Ne les laissez pas m'approcher. Vos créatures n'ont rien à voir avec les citrouilles. Leçon. Vous feriez bien d'y aller. Le chemin derrière chez moi mène au village d'Abondance. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je suis sûr que d'autres de ces gros démons doivent traîner par là. Soyez prudents. Ouais, et au fait, ne m'appelle plus jamais. Moi, je crois que je vais rester ici. Préparer ma ferme. Faire pousser les courges, peut-être. Oui, c'est mieux. Les courges ne sont pas aussi bavardes. Allez, les larbins. Les larbins s'équipent automatiquement des objets utiles qu'ils trouvent. Et même inutiles. Mais vos armes et armures sont personnellement conçues dans la tour. Il n'est pas question que vous soyez équipés de quincaillerie. Non, non, non. Ouais, bah, ils détruisent tout, hein, mes larbins, là. Vous voyez ce nuage au-dessus de ces alphelins morts? C'est de l'énergie maléfique, commune à toutes les créatures maléfiques. Vous Donc vous êtes en train de me dire que ces hobbits sont maléfiques. Maître, l'orbe de tour. Les alphelins ont dû l'utiliser pour faire grossir les citrouilles. Ces abrutis ne se doutent pas de sa véritable puissance. Dégagez ces citrouilles et ramenez-le à la tour. Allez, les gars. M'obligez pas à le faire moi-même. Attention! Attention!
force, hein. Les larbins ont trouvé un raccourci. Non, j'ai trouvé un raccourci. Moi, je reste avec les autres. Oh non, je te vois bien essayer de faire semblant. Fais donc ta part, Gabier, espèce de sac de pu inutile. Bon ben, on rentre. Oui, on rentre. Voici le véritable cœur de la tour, monseigneur. Son rôle sera capital pour vous aider à rétablir votre domaine maléfique. Si vous aimez les cœurs de donjons et tout, allez voir Donjon Legacy. Selon votre volonté, ça devrait vous plaire. Vous pourrez aussi utiliser toutes les ressources de la tour. Regardez, il semble qu'il vous a laissé un petit cadeau, monseigneur. Vous pouvez maintenant contrôler 10 larbins. Ah ! Mais on dirait bien qu'il a retenu l'un de ses sorts, le sort de boule de feu. C'est du solide, mais j'aurais dû m'en douter. Je vous apprendrai à l'utiliser en temps voulu. Mais pitié, je vous conjure de retrouver tous nos objets de tour manquants, monseigneur. Une grue serait particulièrement utile. Nous pourrions dégager un peu les débris, créer de nouvelles salles. C'est qui le patron ? Alors attendez quelques secondes, je pense que... Non, ça, c'est déjà à fond tout ça. On faudra que je change ça plus tard. Je ne suis plus l'entité maléfique. Donc voilà, trouver une grue, j'étais. Voilà. Je ne supporte plus l'herbe verte sous mes pieds. Et le chant des oiseaux. En fait, je vais essayer de trouver un coin sombre pour taper sur quelque chose. Je vais rester ici. Et ici, il y a un truc que tu peux frapper. De parler directement, ainsi que de voir et entendre ce que tu fais, Seigneur. Utilisez la porte pour revenir. Bon, je retourne aux 12 collines. Ce truc fonctionne, c'est un peu crasseux. Est-ce que vous m'entendez, maître ? Voilà. Allez, les gars. Vous savez, seigneur, les créatures de on cette zone sont plutôt actives, alors elles ont probablement repeuplé le secteur. Appelez des larbins et rendez-vous dans ce village de paysans. Alphelins, on approche, attention ! Mais ce ne sont pas des alphelins. Regarde celui avec le casque. Ça pourrait être deux alphelins dans une armure. Ouais, je crois bien que c'est ça. Je déteste ces sales petites bestioles. Tu as peut-être raison. Prouvez que vous n'êtes pas des alphelins. Allez libérer nos hommes enfermés dans les camps. Mais j'en ai rien et à si foutre. Si vous en êtes, ne bougez pas pour que je puisse vous viser. Le sept là, dans le champ. Saleté d'alphelins. Utilisez votre sort de boule de feu et faites-les griller comme de vulgaires cochons. Ok. Bon, je ne peux pas récupérer leur essence. Ah, quoique... On a trouvé de l'or aussi. Oh! D'autres alphelins, grillez-les! Et sont très grandes quantités augmentent votre niveau de corruption. Hé, hey, salut! Merci de m'avoir cela sauvé. Cela permet à votre énergie maléfique de rendre vos sorts plus puissants. Oh.
Néanmoins, ce n'est pas très adapté pour des objectifs maléfiques sur le long terme. Ça nécessite des personnes vivantes. Le bonheur vient de la gratitude. Vous nous avez sauvés. Le village d'abondance est toujours libre, mais certains de nos frères sont retenus dans le camp sur la route. Ce doit être le camp dont parlaient ces paysans. Prudence, Seigneur. Bon, vous vous rassemblez, oui? Vous êtes où, bande alphelins? Vous avez osé nous appeler les alphelins, maître? Oui, mais vous valez pas mieux qu'eux. Voilà, de l'énergie maléfique. Ouais, tant qu'on n'aura pas débarrassé la terre des alphelins. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi j'appelle ça des hobbies? Il s'agit d'un puits de sang, Seigneur. Vous pouvez sacrifier vos larbins pour retrouver de la santé. Vos larbins seront heureux de mourir pour vous. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Bon ben, ellipse. Voilà, on est de retour. Allez, venez les hobbies. Assurez-vous d'avoir votre compte de larbin, Seigneur. Les alphelins sont petits, costauds. Trésor. J'entends des créatures inférieures, Seigneur. Allez, butez-moi ça. Donnez-moi toute l'énergie maléfique que vous pouvez. Attendez-moi ici, je vais chercher vos potes. Regardez, Seigneur, une roue. Vos larbins peuvent la faire tourner. Qui sait ce qu'elle peut déclencher? Voilà. D'esclavage. Alors vous l'avez pas entendu parce que voilà, malheureusement ça nous l'a mis. Enfin ça l'a mis pendant la cinématique numéro 2. Mais il paraît que ils ont parlé de Melvin le alphelin. Soi-disant que c'était un aventurier. Et que depuis qu'il est revenu, c'est la merde. Donc ça doit être, c'est lui le responsable de la révolte des alphelins. Parce que les hobbits, je suis pas sûr que qu'il voudrait... J'ai des dieux. Voilà. Moi, je vais leur apprendre le respect à ces villageois. Récupérer mon or
On aura besoin si on veut réparer la tour. Faut continuer à couper. Cassez-moi toutes ces caisses. Trouvez-vous des armures et tout le bataquès. Messieurs les villageois, bonjour. Mes larbins seront ravis d'avoir un peu d'aide. Il y a d'autres prisonniers par là-bas, mais une espèce de gros troll monte la garde. Sortez! Oh, c'est pas beau. Oh, il se sent les doués. Allez-y! Ce troll a mangé mon frère. T'es sûr que ce troll c'est pas plutôt ton frère? Comment on fait sortir plus de connards de ces prisons? Et quoi, ils vont sortir tout seuls? Bon, bah s'ils sortent tout seuls... Notre libérateur! Hé, hey, cette grue ne nous sert plus à rien. Prenez-la. Eh bien, c'était la nôtre, maudite créature. Vite, seigneur, que vos larves la portent au point de passage. Et voilà. On va pouvoir y aller pour voir ce qui se passe. Et conclure ce premier épisode avec une grue bien mal acquise. Ouais, ça... C'est pas avec des larbins que je vais préparer tout ça, moi. Avec cette grue, nous allons pouvoir reconstruire votre tour, seigneur. Y'a intérêt, parce que sinon tu vas t'en prendre une. La grue n'est qu'un outil. Vos larbins ouvrent les oubliettes. Allez voir, c'est tellement reposant. Là-dedans... Bon, on va voir les oubliettes, apparemment. Ils ont ouvert quelque chose. Bienvenue au puits de création, maître. C'est pas les oubliettes, ça?
sauver. Maître très sage. Récolteur de vitalité. Moi, je vous mets des pains, moi. Restaurateur de la tour noire. Tu vas te taire. Mais il chante ta gloire. J'en ai rien à foutre qu'il chante ma gloire. Ça doit être par là, du coup, les oubliés. Si vous êtes d'humeur à vous entraîner au combat, seigneur, c'est vraiment l'endroit idéal. D'accord. La tour peut recréer quasiment tous les ennemis que vous avez abattus. Bon, en tout cas, moi je vais m'arrêter ici. Allez, donc attention. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager et à frapper avec moi le bouffon. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.